I see it in my dreams. Night after night, the same house. A thousand sketches, a million hours of research, and finally, I found it. The estate at Echo Bluff. Listen, I need to do this. I'm at the door. See you soon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Let's Play sur Perception. Alors, je rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans les deux précédent épisode. On a appris du coup que nous, on était une jeune fille qui avions des visions et en fait ces visions nous ont amené ici, dans ce manoir. Ce manoir appartenait donc à un couple, Richard Briard et Félicia Briard, je suppose. Félicia attendait un enfant. Richard Briard est donc médecin. Il vivait avec sa femme pendant un moment, ça se passait plutôt bien. Et en fait, arrivé un moment, sa femme était un petit peu étrange, avait des comportements un petit peu bizarres, des paroles, voilà. Et donc lui a commencé à tester un traitement, à faire des espèces de tests, on ne sait pas trop de quel ordre, un petit peu pour calmer ses délires et voilà, faire en sorte qu'elle se porte mieux, même s'il y a un côté un petit peu malsain, un petit peu test cobaye, voilà, un petit peu bizarre. Et en plus, donc, le dernier élément qu'on avait, c'était donc la note qui était dans ce rangement là, dans laquelle un médecin de l'institut psychiatrique soumettait au docteur Richard Briard de l'ordre de cesser toute activité à cause d'éventuelles plaintes ou on sait pas trop, mais voilà, on suppose que ça doit être quelque chose dans cet ordre-là. Donc, un docteur qui fait des tests sur sa propre femme. Femme qui elle-même est enceinte, qui est en plus victime de délire un petit peu. Et en plus, dans ce manoir, il y a des choses, des bruits, des monstres, on suppose, qui sont là et qui attendent, tapis dans l'ombre, qu'on fasse trop de bruit pour nous sauter dessus. Donc voilà, sympa, quoi. Donc moi, je disparais et on continue. On n'était pas allé en face, si je ne dis pas de bêtises. Donc je rappelle qu'on est aveugle et que donc notre seul moyen de voir autour, c'est de grâce au bruit en fait, et grâce à la réverbération des bruits sur les... D'accord. C'est pas une bonne idée de tirer la chasse d'eau. Donc... Ici, en fait, c'est juste un moyen de se cacher. Ce n'est pas un endroit où il y avait un esprit ou que sais-je, comme je le pensais dans l'épisode précédent. Notre objectif. Je ne peux pas aller plus. Je sais, mes fingers fumble keys et parfois, je suis un peu plus lent qu'avant, mais tu ne peux pas me garder prisonnier dans cette maison, dans ce corps. Je ne veux plus de pills. D'accord, donc elle se sent prisonnière, mais elle se sent prisonnière de ce corps aussi. Donc ça, c'est assez étrange. Ça laisse supposer qu'il y a une sorte d'histoire d'esprit là-dedans. Ah oui, d'accord, ok. C'est la porte devant laquelle, justement, on avait eu une apparition, une espèce de rémanescence du passé de la fameuse Félicia, qui faisait quelque chose comme Sandy et je sais plus quoi. Comme si elle parlait d'elle-même, mais avec un autre nom, comme si c'était le nom de la chose qui avait investi son corps. Donc c'était assez étrange aussi. Et donc on va aller voir. Ok, on a une clé. Je sais pas honnêtement d'où elle sort, mais bon, tant pis. Alors, il y a différents bruits. On dirait une télé avec un rétroprojecteur.
Bon, bah, c'est la musique, c'est sympa. Alors là, il y a de quoi se cacher. D'accord, visiblement elle fait des peintures un petit peu étranges en tout cas. Je sais pas trop ce qu'il entend par là. Il s'explique pas beaucoup, mais je pense que ça devait être assez dérangé comme sujet. D'accord. Ouais, donc le bébé est bien là, il est déjà sorti. Et lui est censé s'en occuper, mais visiblement il ne fait pas grand-chose, ou en tout cas il a peur de... Il y avait des testicules géantes au plafond? Qu'est-ce que c'était? J'ai pas vu ce que c'était. Enfin, j'ai vu un truc. Au début je croyais que c'était un lustre, mais visiblement c'était pas ça. Du coup j'avoue que j'ai pas eu trop peur, mais... Ah d'accord, c'est fermé. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose à prendre? Visiblement. Oh, wow. Voilà, une réminiscence du passé. Felicia, je suppose, qui faisait je ne sais quoi. On réessaye le même truc. Non. 1940. Non. Bon, là, on est censé trouver un papier qui... ou une note ou un... Enfin, bref, quelque chose qui nous permettrait d'accéder à ce... Ok, on s'en va. Ouais, donc tous les bornes d'arcade ont décidé de faire du bruit comme pas deux. D'accord. Ceci dit, ceci, alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un éclat de verre et moi j'ai eu une légère crise cardiaque, mais sinon tout va bien. J'allais dire du coup, ceci dit, les sons sont plutôt sympas. On va passer par là, parce qu'on n'a pas le choix. D'accord. Bonjour. Allez. Franck, qui est Franck? D'accord, on avance. Logiquement, on devrait faire plus ou moins demi-tour, vu que là on revient vers la salle précédente, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, si c'est ça. Donc, c'est toujours pas ouvert. Et on est censé aller là-haut. Par contre, il y avait un escalier. Il est où? Il est là-bas. Oui, je cours. Ok, c'était quoi, un cerf? On aurait dit. Une sorte de cerf. What? C'est pas ça que je vais faire. Je vais m'accomplir, mais... Il y a une grenouille là-bas.
C'est un crack du coup. It's from my favorite book growing up, The Princess and the Frog. My mom said she always caught me by old stinky ponds and wetlands looking for my future husband. But it wasn't about boys. I fell in love with nature. The sort of spirits that bind us. If a gem or an herb could facilitate a divine connection, why couldn't an animal have a beautiful soul? D'accord. Ça, ce ne sont que des. Ce sont des croyances. Elles seraient liées à la nature. Et elles pensent que les animaux pourraient l'être aussi. Oula, une carte. I planned on painting my own set of tarot cards when we moved in. Now I just can't seem to do it. The cards and their symbols seem to take a life of their own. I don't want to use them. Ah bon? Qu'est-ce que... D'accord. En fait, je sais pas à quoi ça sert de se cacher, puisque pour l'instant, on n'a vu absolument personne. Et très honnêtement, pour attirer les monstres, il faut vraiment y aller, je crois. On ouvre ici. Là, on fait demi-tour. On est où? D'accord, en fait, non, pas tout à fait demi-tour. Là, non. Si, là, normalement, on vient d'en bas. Si j'ai bien suivi. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, on a fait une boucle. On va pouvoir continuer par là. Une salle de bain, en tout cas ce qui y ressemble. On a dit qu'on arrêtait les chasses d'eau. On en avait déjà trouvé une il y a peu de temps dans une étagère. Là, du coup, on a une deuxième poupée. J'espère qu'elle va pas réapparaître parce que la première fois qu'on a pris une poupée, quelques salles plus tard, on avait une petit garçon, petite fille peut-être plutôt, qui apparaissait devant nous. On va aller voir là, il y a cet enregistrement qui nous attend. Différemment selon où elle se trouve dans la maison. Alors nous, je sais que il y a eu des endroits où notre personnage se sentait un petit peu pas bien en tout cas. Donc à voir. Ouais. Il y a une porte. Ah. Oui, parce que Félicia, étant donné qu'elle était enceinte, elle vomissait partout. Donc elle s'est cachée dans la baignoire. Ça, pour l'instant, ils sont pas virulents, les ennemis. Oh. D'accord. Bon, je vais peut-être parler un peu vite. Ouais, à chaque... En fait, là, ils sont peut-être pas très très loin. Hein.
D'accord, cette espèce de pentacle n'est plus là. Ça fait deux fois qu'il y a quelque chose qui disparaît, qui est accroché au mur, au plafond. Qu'est-ce que ça peut être? The sagebrush is now this. How does malachite crack? It's supposed to protect me and the baby. How does a gem inside a silver setting just shatter like that? D'accord, c'était. Oh putain! Oh, le flip, c'était quoi un encou, enfin la mort. Wow. Je m'attendais pas à ça. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, si, des trucs qui ont éclaté dans une vitrine, un morceau de. Wow. Morceau de pierre. Mais il y a eu un truc, on aurait dit un espèce d'insecte, c'est très bizarre. My baby. Give me the goddamn key to the playroom. Where is it? I don't need the pills anymore, and I don't need you watching my every move. Can't you tell? I haven't taken them in days. D'accord, en fait, elle est peut-être devenue complètement folle et il s'est passé quelque chose. Je sais pas, elle a attaqué quelqu'un. Alors ça. Ok, ça, si je dis pas de bêtises, c'est en train de planer comme ça. Ok, il y en a plusieurs. Et apparemment. Ok, on va pas traîner. D'accord, on est censé aller loin là-bas. Ici, on a vu, donc on va. D'accord. Bon, on y va. Par où c'était déjà? Par ici, ouais. Par contre, je sais absolument pas ce qu'il y a devant moi, mais c'est pas grave. On reste calme, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Écarte un peu de ces sources de bruit et du coup de d'ennui probable. Ok. Ok. Ferme tout ça. C'est très joli, ceci dit. Ah, parti se garder. Merci. Ça évitera de revenir très loin derrière après. D'accord, bon, apparemment il n'y a plus trop de bestioles autour. Ah. Ah, la pilule. Keeping these, because at some point, we're gonna need to talk about this. I don't understand. Is it Richard doing this? Or the house? D'accord. Du coup, la maison aurait fait quoi? Elle aurait drogué, mais comment la maison peut... Comment la maison pourrait droguer une personne? Je sais que c'est une maison un peu bizarre, mais quand même. Bon, là, on est face à la toile que Felicia a peint. Je pense que c'est ça, hein, on en a entendu dans un des enregistrements. D'ailleurs, Richard conseillait à Felicia de faire de la peinture, histoire de s'occuper un petit peu l'esprit, et puis voilà, de calmer un peu ses délires. Et au final, il regrette un peu ben, voilà, ce qu'elle avait fait. Donc, qu'est-ce que ça peut être? I've taken none. His prescriptions, I still see
Je n'ai aucune idée. I still see it, I still see it. Mais ça a bougé, non? I feel it too. D'accord, c'était quoi ce délire? Attendez. Qu'est-ce que quoi là? Mais ça a bougé ça, non? C'était pas comme ça tout à l'heure. Il y a des choses qui se passent ici, mais. Ok, ça nous barre le passage. Enfin, ça nous oriente extrêmement bien, on va dire. Se cacher sous un truc complètement déchiré. D'accord, on a complètement changé de salle en fait. On est littéralement, je sais pas où, mais pas du tout dans la même salle que là. Betty, ok. Why am I still seeing it? Alors Betty, ça serait une femme de ménage, je crois, qu'elle a connu Felicia dans les années 1940. Enfin, en tout cas, elle disait que. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Peut-être pas connu, mais. En tout cas, il y a un truc. Est-ce qu'on peut retourner en arrière et voir ce qu'il y a de l'autre côté? Ok, moi bon, ça j'aime bien, voilà. Oui. On est clair, c'est fermé. Il n'y a pas deux accès, dont un, on sait pas trop ce qui s'y passe. Au moins là, on est bon. Hop, hop, hop. Ah, je me demandais pourquoi ça claquait tout à l'heure, mais c'est du papier bulle, non? On dirait. Comment c'est possible? J'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Hello. Where are you? Hey, Serge. What's up? Where are you? Whoa. Okay. I'm in a weird. I don't know. I guess it was a nursery. There's bubble wrap everywhere. Wait a sec. Shouldn't you be at 30,000 feet right now? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oui. Ouais, non, ça part en délire malsain là. Serge, c'est son Hello? Copain, je crois, son père peut-être plus. Oh punaise. Whoever you are, I'm not afraid of you. You hear me? You can't scare me. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Quoi? Une cachette? Oh là là! Non mais sérieux quoi, comment faire trouver une cachette? Où est-ce qu'on peut aller? Wouah, qu'est-ce que c'est que ça? Donc la chose qui était devant nous a enregistré, on va dire, ce qu'on a dit. Ou tout simplement celle qui nous appelait. Mais alors là, c'est très bizarre, comment c'est possible? Et ce bruit là avec ces papiers bulles tellement discrets. Ok, il y a encore ce hibou de malheur. On est de retour là où on était tout à l'heure. Ah oui, il y a la salle d'arcade ici. Ok, bon. Ok.
Attention screamer. D'accord, forcément il est plus là. Je pense que c'est par là qu'il faut qu'on aille, hein. Regardez sur le sol. Ah non, j'ai cru que c'était du papier bulle. papier bulle partout. Wow. C'est tout? No, no, not fire, not here. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? C'est des gemmes. Mais il y a un bébé. Il est où? On le voit pas, j'espère. Il y a des bidons d'essence et il y a des cristaux là qu'on a trouvé. Et... oh là là, c'est quoi ce délire? Bon, on doit se diriger vers là-bas, donc on va y aller. Même si pourquoi est-ce qu'il y a eu du feu là? On dirait que les cristaux forment une barrière un petit peu... délire un peu magique, je ne sais pas. Très très étrange. Il n'y a plus de feu là-bas. Il y avait un feu normalement ici. Rappelez-vous ici, là, ça brillait bleu. Qu'est-ce que... oh, j'aime pas que ça s'illumine comme ça. D'accord, on est obligé de faire le tour. D'accord. Oh non. Ah. Oh. I have a literal fire to put out. Wait a minute, don't hang up. I'll call you back. D'accord. J'aime pas du tout ça, mais c'est pas grave, hein. On va faire avec. On va aller éteindre le feu. Tout va bien. Tout s'est éteint, il n'y a plus de... attendez. Ah si. Ah si, ok. Allez, éteins le feu. C'est tout? J'aime pas ça du tout là quand ça s'éteint comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est tellement le stress. Du coup j'imagine qu'on doit aller là-haut, hein, sinon il n'y a pas grand intérêt. Okay, donc il n'y a pas grand intérêt à monter. Très bien. Patient showing signs of progress. She is accepting the switch to bottle feeding and is no longer... wait a moment. What's that? I must be hearing things. I need more sleep. Hello? What's that? Who's there?
Is something... something burning? Felicia! No, this is how it ends. Fucking house! It made Felicia burn her family alive? Why is it tormenting these poor people? I thought I was supposed to fix it. To stop it. What am I even doing here? I don't understand! I shouldn't be here. This is all wrong. I gotta get out now. D'accord, donc Felicia a cramé la baraque, son gosse, et du coup, bah, probablement le mari avec. Au moins que lui ait réussi à s'échapper, mais... D'accord, et donc toutes ses voix et tout... Elle aurait poussé à faire ça. C'est horrible comme histoire, c'est quoi ce délire? C'est super glauque. Ok, bon. On va arrêter là du coup cet épisode. Du coup, voilà, on est arrivé ici, on a ouvert cette porte. Et donc, il y a des espèces de grands tableaux. Je sais pas trop ce que c'est, peut-être une salle d'exposition, entre guillemets. Par contre, là, on part dans un délire assez fou. Donc, la mère aurait foutu le feu à la baraque, cramé le bébé, du coup, puisqu'on l'entendait pleurer et ça avait l'air d'être derrière les flammes. Puis vu la réaction de Cassie par rapport aux réminiscences et vu ce qu'elle a dit, tout simplement, je pense que c'est ça. Je sais pas du coup si le docteur s'en est sorti, je pense que oui, lui a peut-être pas réussi à... peut-être pas voulu aller sauver sa femme à travers les flammes, je ne sais pas. En tout cas, c'est très perturbant, voilà, il y a quelques screamers de temps en temps, mais c'est l'histoire en fait qui est intéressante, enfin, de savoir un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi, et voilà, quels sont les éléments qui ont été importants dans cette histoire. J'espère en tout cas que vous appréciez ce petit let's play. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo et les précédentes, ainsi que commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et enfin, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît d'une manière générale. Du coup, voilà, après cet épisode très perturbant, c'est très malsain. Du coup, on se pose, enfin, moi, je me pose pas mal de questions. J'espère qu'on saura un petit peu qu'est-ce que Felicia avait en tête. En tout cas, je vous dis donc pour la suite de ce let's play, à très bientôt. Ciao, ciao!